Salut à tous et à toutes et bienvenue sur une toute nouvelle map aventure. Étant donné que, comme je vous l'ai dit dans la nouvelle map survival, je ne finirai pas Temple of Nox en vidéo, j'ai décidé donc d'alterner map aventure, map survival et le let's play d'un jeu vintage en fait. Je pense que je vais faire ça. Ça me semble être un bon compromis. En plus, ouais, les jeux vintage, on en voit pas mal, mais c'est vrai qu'une certaine génération, bon, a pas connu, et du coup, c'est pas mal de faire découvrir tout ça. Alors, donc, pour revenir sur cette vidéo, on est sur une nouvelle map aventure qui s'appelle Legend of Steve. Donc, on est en 1.8.4, hein, vous voyez, il a utilisé des bannières pour faire tout ça, toutes ces pancartes, on va dire. C'est pas mal fait d'ailleurs. Et tout de suite, on va lire, donc du coup. Bienvenue sur la map Legend of Sif, donc qui a été faite par Shells 124 et Daricio. Donc c'est une map aventure, bien sûr, elle a été inspirée par la légende de Zelda. Bon, la plupart des maps, enfin, moi je trouve, hein, depuis le début de cette chaîne, les trois maps, en comptant celle-ci que j'ai faite aventure, sont inspirées du jeu Zelda, bien sûr. Donc les règles sont simples. Ne soyez pas stupide. Joueur seul, je sais plus, joueur seul seulement. Enfin, se fait à un joueur et ayez du plaisir. Voilà. Alors, note. Donc, il y a beaucoup de références à Legends of Zelda. Donc, comme il le disait un peu plus tôt. Et aussi des références aux YouTubeurs. Donc, Ethos Lab. Ethoslab, je connais, ouais. Shell 124, ça me dit rien. Enfin, en tout cas, c'est des youtubeurs connus. Je connais pas toutes les chaînes non plus, mais donc Shell 124, il y en a certainement parmi vous qui connaîtront. Et Daricio également. Make no claim to the là, je sais pas trop. Là, je sais pas trop. On va laisser tomber. De toute façon, c'est pas important. C'est joli, on marque ça, mais par contre, juste. Qu'est-ce que ça représente? J'essaye. Il faudrait. Non mais je suis pas en mode créatif, je peux pas voler. Je voudrais le regarder de haut parce que je sais pas trop ce que ça correspond. Pour moi c'est un point d'interrogation au début quand je suis arrivé. Mais du coup, avec ça là, j'ai un doute. Je sais pas bien, écoutez, bon, peut-être c'est un logo, j'en sais rien. Difficulté, donc ne jouez pas en peaceful, bien sûr. Normalement je suis en normal, j'ai regardé juste avant de lancer la vidéo. Particule Hall. Alors, donc ça c'est tous les, on va dire, les paramètres graphiques qui sont recommandés pour la map. Alors je pense que je vais faire une ellipse et je vais les régler comme c'est mis. Donc ellipse. Donc voilà, j'ai changé quelques paramètres, hein. Bien sûr, si ça rame, je m'autorise de les rechanger, tout simplement parce que bon, si ça rame, ce sera pas agréable à regarder et c'est pas le but, hein. Le but c'est vraiment de découvrir la map. Donc je m'autorise bien sûr à changer les settings si il y a un problème. Ensuite, donc on finit de lire les notes qu'il nous a laissées. Oui, bon. Ah bah, ouais, voilà. Oui, bon, voilà. Ouais. C'est à peu près ce que je disais. C'est pas important, juste. Ouh! Ouh, c'est chouette. Alors, on parle dans le chat, donc Steve, apparemment c'est moi Steve. Est-ce que tu peux nous entendre, Steve? Le monde est en danger. Le général Spaz nous attaque. Même maintenant, sa tour sombre grandit enfin au-dessus de notre monde. Est-ce que tu as ce qu'il faut pour l'arrêter? Maintenant, réveille-toi et combat et 20, je sais plus. Essaie de vaincre le général Spaz. Bon, c'est traduction. J'essaie de le faire un peu vite pour que on perde pas de temps sur le gameplay. Parce que bon, encore une fois, hein, je laisserai le lien pour la map dans la description. Donc, je vous conseille. Ah, du pain déjà. Je vous conseille d'ores et déjà d'aller la voir. Ça fait rien, ça c'est juste la lumière. Ah,
Ok. Je vous conseille d'ores et déjà d'aller la voir parce qu'elle me semble pas si mal. Alors. Attendez. Je la mets ça. Ça me sert à rien, ça c'est une tête. Et protection 1, mais je peux pas la mettre. Si je peux la mettre comme ça, mais je peux pas la mettre en faisant juste un clic droit. Protection 1, unbreakable, ok, unbreakable. Ok, bon, on est protégé. On est joli. Ah, en plus, il y a mes dents qui ressortent juste en dessous du cou. Bon, bref. Donc, on sort. Alors, il y a juste un son que j'ai désactivé dans les settings, c'est la musique. Parce que musique Minecraft, bon, voilà. On verra. Alors attendez, donc ça c'est ma maison. Ça a l'air... Bon, c'est les portes de la ville, donc on va pas aller tout de suite là. On va explorer un peu le village, donc on va d'abord aller de ce côté. Hii. Je suis en mode aventure d'ailleurs. Ouais, d'accord, non j'y pense parce que là, vu qu'il y a les champs, je crois pas que... Oui, déjà on va le prendre le col. Après je peux faire ça. Voilà. Voilà. Ça c'est la petite technique pour ramasser. Voilà. Je sais pas. Ouf. Au pire ça me fera un peu plus de nourriture. Bon, ça je verrai après. Ah mais si je peux le faire cuire après sinon. Au pire. Attendez. Bon, ça fera toujours un peu de nourriture. On va le prendre. Plus qu'une. Voilà. Voilà, et on va pouvoir faire chauffer des patates. Bon, là, je laisse le col là-dedans en attendant. Baraque. Alors, on va rentrer. Captain de la garde. Hey, Steve. Donc, c'est... Oui, voilà. Donc, hey, Steve. Je pense que tu me dois une faveur. Non, tu pourrais me faire une faveur, pardon. J'ai besoin que quelqu'un aille vérifier que... les gardes des quatre tours autour de la ville de leur parler et de lui faire un rapport. Donc voilà. Ouh. Il y a eu un bruit bizarre. Il y a eu un bruit bizarre, je suis pas fou. Alors déjà, tu vas me filer ça. Ça aussi, tu... Non, bah en fait, c'est bon. Je vais prendre quand même. Ah oui, donc. Oui, voilà, c'est bien inspiré de Minecraft, hein, c'est des rupees. Des rubis. En fait non, en fait non, pourquoi j'ai pris ça? Moi j'ai un truc protection, hein, c'est bien mieux que ça. Bon donc en voilà. On a fait ça, ça c'en est où? Bon on va le laisser faire. Hein. De toute façon on a de quoi tenir. J'espère juste ça va pas... Que je vais pas déclencher un événement qui fasse que je suis bloqué un peu plus loin dans le scénario et que je puisse pas revenir. Mais de toute façon, bon, je suis obligé de parler au garde des 4 tours et de revenir lui faire un compte-rendu, donc... pas bien safe. Donc je redescendrai bien chercher les patates. Alors, où est le garde? Le voilà. Mince. Salut, est-ce que... Have you been to the fishing pond? Est-ce que tu as été au ponton? J'ai entendu que c'était assez relaxant. Quel ponton? Est-ce que c'est là? Ah oui, le truc de pêche. Alors, ouais. Est-ce que je teste de le mettre en plus grand, grandeur distance? Bon, il est marqué 8 ou plus. Bon, 8, on voit ce qui est essentiel, on va dire. Voilà, ça laisse un peu plus de mystère, on va dire. Ouais, on va le laisser, remarque. Alors, donc voilà. On va le laisser là. Par contre, ça fait bizarre de... Oh, je crois que je l'ai vu de la tour, non? On le voyait? Je sais pas, c'est une sorte de tour volante, en tout cas, c'est classe. Alors, dans quoi on est? Notre baraque? Je fouille bien tout, hein, on sait jamais. Alors, Gorman qui me dit, je ne trouve pas mon bol. Je vais échanger une... Ah oui, je t'échange une torche contre un bol. Non, oui, je te donne une torche contre un bol, oui. Et Keaton me dit, il y a des coquilles à travers tout le monde. Enfin, ouais.
dans le monde. Combien peux-tu en trouver? Ah, hein. Donc ça doit être des trucs bonus. Ah non. Oh, c'est bien, un breakable en plus. Et toi, oui, tu me donnes le bol contre une torche. Mais j'ai pas vraiment besoin de torche, je crois. Du coup, on continue. Alors, bombe shop. Fermé. Oui, en effet. Ça a dû bien faire péter. Est-ce que je peux y rentrer par derrière? Ouais. Need a break, oui. Oh! Et un cookie. Bon, bah c'est bon, 25 rupees. C'est pas mal. Je vais les appeler les rubis plutôt parce que... Rubis, j'aime pas trop. Enfin bon, bref. Oh! C'est pas du screamer ça. Enfin, j'en sais rien comment ça rend. Peut-être que je suis à fond dans le jeu, mais... Voir comme elle m'a fait peur. Alors, laisse-moi quelque chose de délicieusement frais. Eh oui, mais... Wow! Ah, ouais, un diamant, c'est 100 rubis. Et donc, il lui faut juste un... Putain, mais... Bon, allez, je me barre. Elle me saoule. Je reviendrai plus. C'est fini. Non! Merde, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Hop là. Désolé si ça... en fait, j'ai activé et désactivé la majuscule sans faire exprès. J'espère que ça s'affichera pas sur la vidéo. Je sais pas si ça la compte. Oh, comme c'est classe! Oh, mais il a vraiment géré, hein. Ah, oh ouais, non, je la recommande vraiment, la nouvelle carte aventure que je fais, là. Donc là, lui, il dit cette gigantesque tour m'inquiète. Eh bon? Bon, ben ça va alors. Non mais n'importe quoi. Waouh, mais c'est vraiment chouette, y a le pont levier. Est-ce que je peux zoomer? Je crois que c'est avec Optifine. Mais ce que j'ai fait. Non, c'est bon. Bon bref. En tout cas avec les hélices. Ah ouais, c'est vraiment vraiment classe. Yep, non, attends. On va faire gaffe quand même. Hop là, on va rentrer là-dedans. Ah, toi tu cries pas déjà. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Hey Steve, un grand mystère. Is a foot, je sais pas ce que ça veut dire. Bref. Il y a un grand mystère. 17. Oh, par contre c'est en anglais comme... Ouais, bon, la plupart des maps seront en anglais, mais bon. Normal. Oh, mais oh, c'est comme ça m'énerve. Attendez, je fais une petite ellipse pendant que j'essaye de comprendre toute cette masse là. Donc apparemment il me dit que il y en a qui ne veulent pas vivre selon les règles et qu'en fait il y en a un qui a volé une torche à l'église. Et donc si on en trouve une, bah, qu'on lui fasse savoir. Donc ça doit être l'église. Et donc si on trouve le bol, bah, on aura la torche. Je sais plus où il est le gars. Attends, mais ça c'est le magasin de monde, non? Là-bas, oui. Là-bas, il y a le gars qui nous échange donc le bol contre la torche. Et la torche, on l'amènera ici. Et lui, il nous donnera peut-être une récompense en rubis, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Alors, bienvenue à la librairie. Ok, soyez sérieux. Ouais. Ramenez bien tous les livres. Oula, j'ai eu un petit bug. Oh. Tiens, tu veux pas toi? putain, mais il va rester là. Et pff, écoutez, attends. Ouais, non, non, mais je vais vraiment pas le dire. Oh, laisse tomber. Ça doit être intéressant. En plus, bon, ils se sont donné de la peine pour l'écrire. Mais là, non, je vais pas la foi. Vous le lirez si vous faites la map. Et n'hésitez pas. Du coup, je vais peut-être suivre le chemin. Attends, juste. N'hésitez pas à me dire si c'était vraiment important. Je retournerai lire. En off, je pense. Centre d'information. Et puis là. Tabby spoiler. Ah, j'ai pas trop envie d'être spoilé du coup.
Il y a une map là, mais... Ah. Bon, on va pas aller là tout de suite. Ouh! Ce bruit de porte? Enfin, je crois bien que c'est la porte qui a fait ce bruit. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Il y en a qui ne servent à rien, par contre, des villageois. Par contre... énorme. Ok. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi je te cambriole, rien à foutre. Et toi tu fais ça. Hein. Oh il est bien lui, il est pas mal. Billy, donc c'est le patron du restaurant. Qui peut me donner des potions, c'est pas mal. Oh yes. Ça c'est bien. Ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Wow. Alors pour l'instant... Oh mais c'est vraiment chouette. L'épée qui tient comme ça sur... C'est sur la 1.8, on peut faire ça? C'est vraiment classe. Y'a quelqu'un? Y'a un cheval. C'est quoi qui fait ce bruit? C'est pas des chevaux? Y'a personne. Oh, pour 5 rubis, hein. Attendez, Mince. Est-ce qu'il faut que... Je lâche ça? Est-ce qu'il faut... Attends, ah mais il y a une sonnette. Oui. Shop Creeper. C'est super. Oh mais c'est énorme. Alors, yes. En quoi puis-je vous aider? Lorsque vous avez sélectionné un item que vous voulez acheter, il n'y a pas de S, donc je pourrais pas faire l'accent Creeper. Venez me parler. Bah oui, ben il y a lui. What do you need as one? Ok. Donc bon, il n'a pas trop confiance que on puisse défoncer General Spaz, mais il va nous donner quelques conseils en revanche. La seule raison pour laquelle le général n'a pas encore attaqué la ville, c'est parce qu'il ne peut pas. Il y a trois gardiens qui protègent la cité. Donc un gardien de la forêt, un gardien du feu et un gardien de l'eau. Là c'est typiquement du Zelda, c'est vrai. À cause de cela, le général a envoyé des monstres pour attaquer les gardiens, justement. Si tu veux nous aider, protège plutôt les gardiens en défonçant les monstres. Maintenant que j'y pense, le seul temple que tu pourrais avoir accès, pour l'instant, c'est le temple de la forêt, à l'ouest. Je peux te fournir les supplies, les fournitures dont tu as besoin pour entrer dans les autres temples. Donc après que tu aies fini avec le temple de la forêt, tu reviens me parler. Ok, moi ça me va. En revanche, je veux vraiment ton épée. Ah mais d'accord. Hop là. Juste un truc. Si je fais par exemple bow et arrow, est-ce que... Ah non, je peux plus te parler. Ah si. Ouais ok, donc je peux t'échanger que contre l'épée. Qui est 6 attaques à 1. Ok, par contre j'ai... 5 c'est quand même cher, hein, mine de rien. Ouais c'est pas mal chouette. Ah c'est pas mal chouette. C'est vraiment bien foutu. Par contre, pareil, ce sera des épisodes de 20 minutes. Je sais pas du tout à combien j'en suis. Je dois pas en être très très loin. On va continuer. Hein? Quoi? C'est quoi ce poulet? Et n'empêche, il avait de l'inspiration, le gars. Attends, donc... attendez, vous savez quoi? Ça, je le ferai en off, entre l'épisode 1 et 2. Je reviendrai ici, je lirai tout.
Comme ça évitera. Ça, j'y irai tout à l'heure. Je finis d'abord ce qu'il y a sur la place. C'est bizarre ça. Salut Bob. J'adore les fleurs rouges. Je les achèterai. J'achèterai chaque fleur rouge que tu pourrais avoir. Je t'échangerai des cisailles pour prendre des fleurs. Ah oui, tu as dit. Non mais attends, tu me le vends, les cisailles? Ah oui. Toi, je te les achète. Si après, à chaque fois que je prends juste une fleur rouge, je te la porte et tu me donnes un rubis, ça peut valoir le coup. On va voir. Je peux dormir? Non mais attends, mais on va pas... Oui, c'est bon, on a compris. Merci. Allez, vas-y. Ferme-toi parce que... On a fini alors du coup sur la place. Ça fait quand même une sacrée ville. Ça fait quand même une sacrée ville. On va... Bah vous savez quoi, on va se quitter à la taverne, je pense. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Oh, un golem. On va voir. Salut Talon. Qu'est-ce que tu donnes, du lait? Ouais, ça peut être sympa, mais je... Ouais, j'en sais rien. Ça dépend, je sais pas encore ce que les monstres y font. Donc bon. Bon, je continue de visiter parce que là, au final, la taverne... Ouh. Gabora veut faire un Jilt Sword. Jilt, je sais pas ce que c'est. Enfin, une épée. Mais il a besoin d'une poudre d'or spéciale. Donc à mon avis, ça doit être la Glowstone. Pour la faire, je te payerai 100 rubis si tu as de la glowstone, je pense que c'est. Ouais, voilà. Ouais, eux, ils appellent ça poussière d'or, mais bon. C'est pas mal, en plus, ils ont renommé tout. Par contre, j'ai pas de respect pour tes coffres. Moi. Ouh, ouh. Ouais, tant pis pour toi. T'as d'ailleurs... En fait, je sais comment on va finir cet épisode. Ça, c'est l'ouest. Ça doit être par là, la forêt du temple. La forêt du temple. Le temple de la forêt. Certainement. Le haut du village. Ben, c'est-à-dire qu'il faut aussi que j'aille voir les gardiens. Ah, j'aurais dû faire ça pour le premier épisode. Ouais, je rush les deux derniers gardiens. Et on va directement aller voir le gars qui est le baraquement. Comme ça, on aura fait la première mission, entre guillemets. Bonjour. J'ai entendu qu'il y a une étrange maison au milieu de la forêt, à l'ouest de la montagne. Oh, oh, ah, j'avais plus aucun contrôle. Je me demande qui voudrait vivre là-bas. L'ouest de la montagne. Donc là, il y a la montagne. Ça doit être le temple du feu, s'il y a peut-être un volcan en haut. Et donc peut-être là-bas. Apparemment, il y a une maison. Ça doit être là-bas, hein. Il y a le chemin du temple de l'Ouest. Bon bah du coup, voilà. Mince, je pensais rattraper. Non, j'ai bruit des portes, mais c'est un peu violent quand même. Ah, Gabora. Non, merci. Waouh, mais c'est vraiment nul hein, ce que tu vends. C'est pas grave. Après, mes trucs, c'est pas unbreakable. Alors j'ai ça à voir, j'aurai ça à voir, mais on le regarde pas tout de suite. On va aller directement dans la tour du sud-ouest, normalement. J'espère que c'est ça, au pire, je retournerai au point d'information, et puis voilà. Le temple de l'eau, il doit être là-bas, hein, parce que c'est là où on a vu le ponton... Le ponton qui nous avait dit que c'était relaxant et tout ça. Enfin bon, voilà le dernier garde. Avant j'étais un aventurier là, comme toi, mais depuis j'ai enfin mais après j'ai pris une flèche dans le genou. Bah c'est pas de bol mon gars. Tant pis pour toi. Bon voilà, donc du coup on a parlé aux quatre gardes. On va aller récupérer les pommes de terre et on va aller parler aux gardes et on va s'arrêter là. Ouh. Attendez, juste un petit truc. Ça c'est bien. Voilà. J'ai déjà rentabilisé ma cisaille. Voilà. Non, c'est super ça par contre. Oh.
Merci. Est-ce que tu peux me faire une autre faveur et retourner le livre pour moi? Tu es le meilleur. Ben écoute, oui, mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Je pense que je vais m'arrêter là. Ou peut-être je vais enchaîner le tournage, je sais pas encore. Non, je pense que je vais m'arrêter là. Il faut juste que je me rappelle que j'ai ça à rendre et puis ça aussi à les vendre. Et normalement, ça devrait le faire. Ouais. Oui. J'ai carrément de bouffe. Après ça, je sais pas trop quoi en faire. On verra. Bon, voilà. Hop là. On va peut-être se quitter comme ça. C'est pas mal, avec la petite épée. Ouf. Faut que je fasse gaffe à pas taper lui. Donc voilà. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu, que la map vous aura tenté, et que vous aurez envie de la faire également en même temps que moi, ça pourrait être sympa. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine dans l'épisode 2 ou dans une prochaine vidéo. Juste d'ailleurs pour info, ce serait, je pense, le lundi ce serait la map survie, le mercredi ce serait donc le let's play, et enfin le vendredi ce serait cette petite map aventure qui je pense va durer un petit moment quand même hein, étant donné que bon on a trois temples déjà à faire, bon, on n'a même pas fini le village, donc on verra combien d'épisodes ça nous prendra. En tout cas oui, j'espère qu'il vous aura plu, je vous dis à la prochaine et d'ici là portez-vous bien, bye bye.